première soirée, ça va. La deuxième, après, vous tout. Je vais le dire aussi. Cher. Puis je me suis mis remis à la pipe électronique. Ah ouais, le tabac, le machin. Ah ouais, ouais. Sinon, Tintin. Ils vont t'amputer. Tu serais bien marré là. Imagine-toi sans une jambe. Avec une prothèse, avec. Imagine-toi là le. Le business. Quel business? Non, mais le business. De toute façon, je le fais. Le plan, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tu peux pas aller chez tes parents parce qu'il faut monter 4 étages. Voilà, ouais, mais là, une prothèse. Tu l'auras pas. Et puis même, dans ta vie, quoi. T'es jeune, hein, t'es pas vieux. J'étais content. Il a arrêté. Il a beaucoup qui vivent quand même. Mais tu trouves une excuse, là. Mais bien sûr, j'ai envie de vous couper. Pas comme ça, pas comme ça. Et en plus, quand il coupe les jambes, je suis long terme, je peux pas dire, j'y arrive pas. Après, ça dépend où est-ce qu'il te le coupe. Il déhanche. Vas-y, tu veux expliquer. Il coupe tout. J'ai plein de potes. Tu t'arrêtes avec moi, c'est pas la question, mais qui ont arrêté. Moi, j'ai jamais arrêté. J'ai commencé à fumer à l'âge de 1. Moi, ça fait 4 ans. Je n'ai jamais arrêté. Ans. Je suis resté 10 mois à jouer où, à l'hôpital. Moi, je m'en bats les couilles. Pendant 10 jours, c'est la seule fois. J'ai jamais arrêté. Moi, je n'ai jamais arrêté. J'ai jamais arrêté 4 jours la cigarette. Moi, je sais pas ce que ça me fait. Peur. Ça fait. Eh ben, moi, Michel. J'ai peur de jouer. Non, mais alors, tu prends, t'achètes une cigarette électronique et tu te balades. Avec ça dans la poche le premier jour, si t'as envie de fumer une pêche. Je suis même pas capable de me foutre internet chez moi, qu'est-ce que j'essaye d'acheter Après il faut se motiver, sinon tu vas crever. C'est dans ma tête. Tu motivé de quoi, Eric? Motivé de quoi? Comme tout s'est passé le jour. C'est pas sûr. Non, mais moi... Comme on dit, c'est rien de crever. Non, c'est quand tu vas à l'hosto. Ouais, voilà. Parce que ça peut durer 10 ans. Ça peut durer 10 ans avant que tu crèves. Hein. Moi j'ai vu mon oncle qui fumait et qui buvait. Il a mis 15 ans à crever. Donc il parlait plus, il avait plus de corps vocal, plus de larynx, c'est tout. Pourquoi c'est toujours la même jambe? C'est de la coiffe. C'est un mois, 15 jours. Plus de la coiffe. Moi, la coiffe, en 2 jours, j'ai mal à la gorge. Même avec Christophe, quand je chante, je chante 10 minutes. En 15 jours, en 2 mois, je passe. Quand je chante, je repasse. Et j'ai qu'un gros cul. Tu sais quoi, la traduction, je me dis, oh, comme ça. Mais pas la physionomie en mauvaise santé. Non, hein? Non, mais ça fait. Oui, mais Pipi et le cogneux. Il regarde ma gorge, il me dit, mais le haut putain, c'est dur. Il m'a dit, mais vous avez vu la gorge que vous avez? Et non, je fumais encore à l'époque, je fumais la clope. Il me dit, elle est violette, elle est. Vous voulez quoi? Le cancer, voilà. Direct, il me l'a dit. Il m'a dit, là, vous allez direct au cancer, tu vois. Direct, j'avais la gorge violette. Et là, je pense que avec ça, j'ai réussi, mais je suis vachement moins essoufflé avec ça. Voilà. C'est vrai que le seul truc, tu sais quoi, ce qui m'emmerderait avec ça, c'est que tu ne voyais pas la fumée. J'ai besoin de ça, de voir la fumée. Et tu la coupes pas là, mec. Tu fumes pas là. Non, cet après-midi, je n'ai pas trop fumé, Tintin. Moi, je sais, quand j'ai ça, j'ai de l'eau dans la main, et tu t'arrêtes pas. S'ils sont nets, ils te liront. Non, moi, je me suis retrouvé à acheter une. Tu fumes, c'est vrai. Pour la ramine. Pour la ramine. Mais on dit que ça faisait quand même moins mal. Ouais, c'est moins mauvais, c'est moins pourri. Moi, les autres, c'est fini à l'école. Mais moi, c'est vrai que. 70% de substances cancérigènes. Mais 200 de différents nocifs, quoi. Ouais, 200. Le quoi, le cancer? Eh ben, c'était pas nous les fous. Ouais, peut-être que j'y. Je sais pas. Je dirais. Attends, après, faut arrêter. T'as des mecs qui n'ont pas bu, qui n'ont pas fumé, que ceci, que ceci. Et qui crèvent, on n'a pas des maladies d'os, on n'a pas. On n'a que 50 ans, Michel. On en profite, on vit, on fait ça. Oui, on n'a que 50 ans. Voilà, merci. Mais nous, il nous reste 20 ans à vivre. C'est déjà pas mal, 50 balles. 25 ans. Moi, je me donne 25 ans à vivre, pas plus. C'est déjà pas mal, 50 balles, je veux dire. Attends, il y a 100 ou 200 ans en arrière, il ne buvait pas. Ah ouais, au temps du Moyen-Âge. Justement, voilà. Et maintenant, t'es au temps du Moyen-Âge, en 50 ans, t'es mort.
Moi, je suis mort. Moi, j'ai 50 ans. Ouais, alors, j'ai 49 ans, je suis mort. Moi, c'est normal, ça. Ouais, mais quand tu regardes la télévision, les filles, bon, ont des dents magnifiques, jolies. Les mecs, c'est des beaux mecs. Nous, on a 49 ans, on a les dents des mecs du Moyen-Âge. Là, tu prends une photo de la table, tu filmes. Non, moi, les dents, c'est bon, je suis équipé, mais... Normalement, à table, il devrait y avoir des carottes, du céleri. On devrait boire du thé. La table, c'est la table des chasseurs. Aussi, il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Moi, jamais un truc comme ça. Les bons chasseurs. Moi, ça me casse les couilles. Hein. Moi, j'aurais aimé avoir mes dents encore. On est six à son pote. Je suis resté 8 mois. Ah ouais. C'est carrément, tu mâches avec les dents. Jean-Phil, tu vas prendre la gorge. Non seulement t'en chies pour manger, mais le problème, c'est que tu détruis l'estomac. Ouais, tu déglutis pas, ouais, tu mâches pas, ouais, tu te flingues l'estomac. Tu perds tes cheveux, t'as les couilles qui tombent, tu dors plus. C'est comme ça. Bon, tu perds la vue aussi. Jean-Phil, prends la gorge. Après, quand t'en fais rien, t'as une sale gueule, jeunes te jettent des pierres. Mais 49 ans, mais non, t'es pas moche. Ouais, mais j'ai un bras plus petit. Encore hey, putain, mais en fait, t'arrêtes pas de bouffer, toi. Tu pèses combien? 45 kilos. 50 kilos. Il a pas 92, un pied de 11 cm. Toute l'après-midi, il a bouffé. C'est la beauté intérieure. C'est si j'ai une morale à zéro, je vais manger des curries. Vas-y, alors, toi aussi, t'as bouffé. Moi, j'ai pas bouffé, j'ai pas fait un peu. Nous avons les moyens de vous faire parler. Mais nous avons perdu la mode d'emploi. Ah, c'était la belle époque. Vas-y. Pourquoi les gens vivent? Si même le guitariste, je ne veux pas guitariste, c'est bon. J'arrive pas à les ouvrir, ça va être un tarret. T'arrives à réparer une boîte, ça arrive pas. Non, j'arrive pas. Vas-y. Non, moi je sais pas comment on fait. Un temps, il se bat. Moi, ces trucs, ça va jamais. Ça fait peur, ça. Ah, ça y est, tu l'as ouvert, Tintin. Non, prends-le. Avec le temps. J'en sais rien, vas-y. Avec le blanc. Avec le temps, va tout seul. Voilà, de là. Et l'on se sent perdu dans un lit de hasard. T'as vu comme il est fou, ce mec, comme il est. Et bon chasseur. Ben, ça dépend les chansons, comme Gainsbourg. Arrêtez tout, quoi. Comme Gainsbourg. Moi, ça dépend les chansons. Gainsbourg. Ouais, mais Léo Ferré, il te dit je suis allé manger une pizza, il te raconte sa vie. Moi, Léo Ferré non plus, je suis pas... Léo Ferré te dit, tiens, hier, j'ai acheté un pambagna. C'est en sol. J'ai acheté un pambagna, mais il était accordé en sol. D'accord. Moi, j'ai vu un mec mourir en mangeant un pambagna. En sol mineur, en sol dièse, sol majeur. C'est suicidé au pambagna. C'est moi. Hein, une fois, il disait ça avec du golf. Il disait, putain, le moteur de ta bagnole, c'est un pambagna. C'est trop l'huile de partout. Ton moteur, c'est un pambagna. Le mien, c'est une un pambagna. J'étais au Turin, une fois, il s'est trompé sur le nom. 5 kilos de surimi, le saut de 5 kilos. On se parlait au manchon, quoi. Et quoi, après, Fifi, quand j'ai voulu me suicider au surimi. On avait bossé. Hein. Et après 3 kilos. Okay, il a commencé à jeter un pain de sucre. Mazola, toi, t'as commencé. Vous avez gâché la soirée. À un moment donné, le plus gros, 1 kg de sucre. 21 kilos, on avait acheté le michoui. 500 francs à l'époque. Ouais. On n'avait même pas mangé. Mais on l'a même pas cuit. On l'a à peine cuit. Moi, je l'ai cuit. Je me suis pris. Non, mais on l'a pas cuit. Il était pas cuit entier. On avait mis l'axe. Caché derrière les tables. À un moment donné, Criquet, il se lève. Je me lève. 1 kg de sucre. Le sucre entier. Je jette. Criquet. Fouah dans la gueule, le kilo de sucre. On avait prévu le jour de l'an au manchop. Oh, le jour de l'an au manchop. Dans les tunnels du manchop. Dans les tunnels. Il avait ramené la télé. Il y avait l'électricité, on avait le chauffage et tout. Il y avait le chauffage, là. Fifi l'avait branché le chauffage. C'est moi, j'ai pas besoin de mettre les autres. Je sais, non, moi je suis monté. On avait fait la cheminée, on avait fait la table. On était monté avec le père à Jacques. On avait volé des planches, des madriers dans un chantier, et le père à Jacques avec mais la DS. Là-haut. Ah ouais, et comment on va rentrer? Je comprends à baigner. Pas grave. C'est comment on trouve la porte? C'est là. C'est enfermé. Non, t'es à l'envers là. Mais c'est normal. Ouais, c'est toujours à l'envers. Parce qu'ils sont rentrés souvent. Alors voilà. J'ai deux fois dit, j'ai discuté. Tintin. Trois ans. Résistant, le mec, c'est bon.
3 ans. Il a tout résisté à tout. C'est pour ça qu'il est fort. Oh. Normalement. Il a tout résisté. Faire un jour de non, mais c'est bon. Arrête-le. Et c'est plus de pas les batteries là-dessus. Mais non, mais moi je voulais jouer, mais tu vois, il n'y a personne qui sait jouer dans rien. Mais non, c'est pas. Lui, c'est le guitariste. Non, il doit prendre la guitare. Jouer. Putain, mais Christophe, on va pas jouer toute notre vie. On n'est pas des saltimbanques. Bon sang de bon sang. Mais c'est pas Hendrix. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai pas envie, peut-être, c'est pas où voir ces images, quoi. Ben avant sur Facebook. Mais vous êtes moi, le sur client, YouTube, sur YouTube. Voilà, j'ai pas spécial, j'ai le client, je peux le faire. Maintenant, j'ai pas spécialement envie qu'on me filme, quoi. Ben voilà.